Bonjour, nous continuons encore la lecture de Qin Jin Jin, le classique de la pureté et du calme du taoïsme. La dernière fois, on a parlé de l'état de contemplation et cette fois-ci, nous allons entrer dans l'état du vide. Souvent, le mot vide, ainsi le taoïsme, le bouddhisme parle énormément, mais l'état du vide paraît dans le premier niveau, aux plupart des gens, c'est un peu abstrait. Maintenant, au fur et à mesure, les lectures de Qin Jin Jin avancent. Vous comprenez, l'état du vide vient de l'état de plein, l'état de calme et de pureté, l'état de contemplation. Quand l'état de contemplation commence à s'installer, quand la vision commence à évoluer et changer, petit à petit, il va nous amener dans l'état de vide. Voilà le Qin Jin Jin dit. Shan zi ji wu, wei jian yi kong, guang kong yi kong, kong wu shou kong, shou kong yi wu, wu wu ji wu. L'esprit éveillé par ces trois contemplations, il voit le vide. Il contemple le vide à partir du vide. Il n'a rien à considérer comme vide. Tout vide est une non-existence. La non-existence n'existe pas. C'est aussi une non-existence. En écoutant le sutra et le classique, on se rend compte de tous ces mots qui répètent le vide, non-existence. Contemple le vide à partir du vide. Maintenant, on sait que c'est parce que la conscience elle est tellement large, tellement profonde, dans laquelle on contient presque l'univers vivant, dans lequel, y compris l'homme, son être, ses émotions, sa vision des choses. Dans cet état de communication profond, on se rend compte qu'on ne peut que jaillir des choses. On ne peut que accepter les choses, on ne peut que contempler. Donc, quand toutes les choses apparaissent, et ça nous amène d'un coup dans l'état de vide, c'est parce qu'on élève la conscience, on contient tout ce qui se sont manifestés à partir de cet état de vide. Donc, l'état de vide vient de plein. L'état de vide vient de l'évolution, de pureté, le calme, contemplation, l'élévation de conscience, jusqu'on commence à voir le vide. Dans l'état de vide, tout vient, tout va dans cette liberté.